On a vécu ces dernières années, avec la crise de la Covid, avec le retour de la guerre en Ukraine, un mouvement qui a plutôt été un mouvement de démondialisation. Or, nous avons besoin, pour la prospérité générale de nos États et de notre planète, de rester connectés les uns aux autres. Mais nous voyons que nous sommes en train de passer dans une autre mondialisation. Ce n'est pas une démondialisation, mais c'est une mondialisation plus juste, plus responsable, plus exigeante aussi vis-à-vis de la planète. On voit bien qu'on ne peut pas simplement produire pour consommer en masse sans s'interroger sur les conséquences que ça peut avoir sur la planète. On ne peut pas non plus avoir des produits qui sont fabriqués avec du travail forcé d'enfants, de femmes. Voilà. Et donc, je pense qu'il faut vraiment que l'on puisse adopter des règles plus contraignantes. Et donc, nous avons ici de quoi poser les bases de cette nouvelle mondialisation. Et je pense qu'il y a cette prise de conscience de la part des États, et c'est une bonne nouvelle.